On a rendu le port du masque obligatoire, on a fait des grandes campagnes d'affichage avec des grandes bâches, des grands panneaux, et on voit que maintenant la mesure est respectée. Quand même, quoi qu'il arrive, parce que là, vous avez fait On Love, centre-ville de Nîmes. En pleine mascarade. Bon, nous on n'est pas masqués, nous. Le port du masque se généralise, et c'est très bien ainsi. Il faut que nous comprenions toutes et tous que l'objectif est simple, nous protéger contre ce virus. Le port du masque, c'est complètement nul. D'une, ça empêche de respirer. Le masque, il pue. Et de deux, eh ben, d'une, c'est chiant. Ça sert à rien, vu que personne n'est malade. Sinon, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait vu. Il y aurait forcément soit un pote à nous qui aurait vu quelqu'un mourir devant lui et qui il nous l'aurait dit, soit nous-mêmes on aurait vu quelqu'un, et puis en fait tout le monde, et ben ils sont tranquilles, et en plus si ça se trouve c'est juste un simple rhume et les gars ils vont aller faire le test pour rien. En plus c'est chiant, porter de plus en plus de masques. J'ai le masque. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Le port du masque sera rendu obligatoire. Je suis en Ardèche, j'ai avec ma copine. On rentre dans un magasin. Et attends, tu sais, j'étais. Tu vois, moi, je rentre. Bon, comme ils ont écrit masque obligatoire, mais que tu as vu sur les affiches, c'est un mec, il a la tête toute blanche et il n'a pas de. Il a pas de yeux. Ouais, ils ont dû faire un mec avec une tête toute noire. Avec un masque tout noir. Avec des yeux. Avec des yeux, moi, ça aurait humanisé la chose. Ouais, voilà. Donc, moi, ouais, j'étais comme ça. Avec un s'il vous plaît. Un petit s'il vous plaît, ouais. Un masque. Même pas de politesse, rien. Tu vois, il n'y a pas de yeux et il n'y a pas de texte de loi écrit en dessous, ni de numéro de loi. Même le numéro du décret, il n'est même pas, tu vois. Si tu vois ça dans le train, c'est écrit SNCF. Si tu vois ça à la poste, c'est écrit la poste. Si tu vois ça à la mairie, c'est écrit la mairie. Mais il n'y a jamais de texte de loi, tu vois. Même dans les supermarchés, c'est comme vente d'alcool interdite aux mineurs ou tout ça. C'est illégal, forcément. Mais oui, c'est illégal. Parce qu'il y a une loi de 2010 qui interdit de se couvrir le visage. Et donc, j'avais le masque comme ceci. Et genre, tu vois, je rentre dans le magasin comme ça. Et puis, t'as la bonne femme qui arrive et qui fait... Monsieur, mettez votre masque correctement, mettez-le sur le nez. Alors moi, je l'ai mis comme ça. Et je continuais à faire les courses. Après, il y a le mec de la sécurité qui est venu. J'ai dit, allez me chercher une loi qui prouve, enfin, allez me chercher la loi qui prouve que je suis obligé de porter un masque. Il est parti, il est revenu avec le règlement intérieur du magasin. J'ai dit, mais c'est pas une loi ça, c'est un règlement intérieur. Tu vois, bon, le mec il a acquiescé, après on a discuté. Oui, mais vous savez, moi je peux rien faire, il faut aller en haut de la pyramide, il faut aller voir le ministre, nous on a des directives, on est obligé de les suivre, blablabla. Donc, voilà, ben, j'ai remis mon masque ça, et puis voilà quoi. Et tu vois, quand tu marches dans la rue, on dirait qu'il n'y a que des dentistes, des chirurgiens, des soudeurs. Ouais. Ah ouais, mais c'est fou, il y en a plein qui ils sont tout seuls dans leur voiture avec un masque. Il y a un Nîmes, et puis même chez moi, il y a des gens, ils sont dehors. Moi, je les appelle les gogoles. Ah, ça y est, il n'y a plus de charrier, il n'y a plus rien, je les appelle les gogoles. Ils marchent dehors, il n'y a personne, ils ont tous des masques. C'est grave. Quoi. C'est des soumis, t'as même pas besoin de les contraindre, ils font, quoi. Mais ils font à l'extrême. Ah, c'est abusé. Ouais, enfin, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. On diffuse des vidéos histoire d'éclaircir les choses. On se dit les gens, mais la grande majorité, c'est des messieurs PFM. Quoi. Bah ouais. Abusé. C'est vrai qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et le pire, c'est qu'on n'y est même pas encore rentré dans l'auberge. Elle est là, l'adversité, maintenant. Voilà. Ça masque dans la gueule, l'adversité. C'est ça. Taisez-vous et distanciation sociale.
Social, ça veut dire quoi? C'est des rapports entre nous, entre les êtres humains, c'est ça, ouais. C'est ça qu'on appelle social. Tu vois? Ouais, mon petit dada. Les interactions. Et on va avoir un truc avec des clones partout, tous pareils. Ouais, mais c'est ouf, hein. Tu vois, t'as beau dire aux gens, ouais, ceci, cela, t'as beau leur expliquer le truc. Et quand bien même, tu vois, moi, je dis pas que le coronavirus, il n'existe pas. Moi, je dis que c'est la pandémie qui n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, faut qu'on a circus maintenant. Tu vois? Et ça, ça... En fait, tu peux te faire un masque avec tes cheveux. Alors ça, si tu veux attraper un virus avec ça, c'est comme si tu voulais attraper une araignée rouge avec le filet de pêche d'un chalutier. Ah bah, tu peux pour la pêche au thon. Tu vois? Tu vas l'assommer avec la corde, mais tu feras rien d'autre. Mais même pas. Il passe à travers les fibres de la corde, le truc. Ouais, c'est vrai. Tout ça pour dire que les masques, en fait, bon, bah, vous l'aurez compris. Hein. Je ne sais pas si ça a vraiment une utilité, quoi, en fait. Ils n'ont pas arrêté de le dire pendant des mois, et puis maintenant, ils disent le contraire. Et tu vois, et tous les masques des gilets jaunes, là, tous les masques qu'ils nous ont confisqués, qu'ils ont jetés, qu'ils ont cramés, tu vois ce que je veux dire? Et après, soi-disant, il y avait besoin de masques, il n'y en avait plus. Et tu vois, pour... Et tous les scientifiques s'accordent à dire que l'épidémie est finie, si tant est qu'elle ait déjà existé, quoi. Parce que comment ils savent qu'il y a eu tout ça de mort du Covid pendant le confinement alors qu'il n'y avait pas de tests? Les tests, ils sont arrivés après. Ils ont fait après le déconfinement. Et quand même, peut-être une semaine ou deux après le confinement. Mais c'est que maintenant, il y a des gens qui vont pour se faire se rentrer un coton-tige de 30 cm dans le nez. Là. L'infirmière, après avoir revêtu l'ensemble des équipements de protection individuelle, va procéder au prélèvement naso-pharyngé. L'infirmière explique le geste au patient. Après avoir vérifié l'identité du patient, elle étiquette le tube. Elle baisse le masque chirurgical du patient. Elle bascule la tête légèrement en arrière et relève la pointe du nez. L'écouvillon est introduit délicatement à 90 degrés par rapport au visage du patient. Elle introduit l'écouvillon jusqu'au carrefour nasopharyngé. Plusieurs rotations de l'écouvillon sont réalisées. Elle retire ensuite l'écouvillon et le dépose dans le tube. Le test, il est vraiment nul. Si on met un coton-tige dans le nez, ça me fait très mal. Et d'une, je vomis, je peux plus respirer. Ok? En fait, ton adversaire, il a des points de vie. Eh oui. En ce moment, les masques tombent.